On a tous à cœur de bien faire et donc on est tous là vraiment pour que le projet réussisse. Et donc je pense qu'il n'y a personne vraiment qui va faire son petit drapeau perso parce que c'est mon idée, donc c'est celle-là qui est la bonne. Guillaume Germain, chef de projet, et j'ai rejoint l'aventure Celsius Energy en début d'année 2022. Donc chef de projet, en fait, on intervient à différents stades. On intervient déjà en phase d'appel d'offres ou aussi en phase réalisation quand on a un contrat pour une étude de faisabilité ou un contrat pour de la réalisation. On est en fait le contact client, on est à la phase du client pour justement interagir et faire la jonction entre le client, maître d'ouvrage, maître d'œuvre et les équipes de Celsius Energy. Ça touche à tout, ça touche à la mécanique des fluides, ça touche à la mécanique de structure pour des plateformes de forage, ça touche aussi à la géologie, et puis aussi beaucoup d'humains, puisque en tant que project manager, on a la chance justement d'avoir des projets qui sont soit en réalisation, donc c'est beaucoup d'échanges avec les sous-traitants, le client, qui sont plus en phase appel d'offres, donc là c'est plus des échanges en interne pour voir comment on pourrait trouver la meilleure solution pour subvenir aux besoins du client, et d'autres un peu des sujets de fond sur des nouvelles techniques de forage, ou aussi au niveau des pompes à chaleur, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux les piloter, mieux les optimiser. Donc c'est vrai que c'est la diversité du travail qui est vraiment attirante aussi. Pour moi, la mission de Celsius Energy, c'est de décarboner les bâtiments. Et dans le contexte actuel de crise énergétique, d'augmentation des coûts de l'énergie, on voit vraiment qu'on a un impact, qu'en plus c'est une énergie locale, puisqu'on peut le faire sous les pieds de chaque bâtiment. Récemment, on a répondu à un très gros appel d'offres sur lequel vraiment il a fallu mobiliser toutes les équipes. On a mobilisé les gens des trois grands pôles de Celsius Energy. Et donc c'est moi qui étais main dans la main avec l'équipe commerciale responsable de justement piloter et orchestrer cette réponse. Donc c'est un appel d'offres qu'on a gagné récemment. Donc on est très content puisque ça sera un des plus gros champs de sonde, si ce n'est le plus gros champ de sonde en France avec près de 40 000 mètres linéaires forés. C'est bon? Engagement, initiative et diversité. On est tous là vraiment pour que le projet réussisse et donc je pense qu'il n'y a personne vraiment qui va faire son petit drapeau perso parce que c'est mon idée donc c'est celle-là qui est la bonne. Tout le monde a à cœur vraiment d'apporter sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse vraiment aller tous ensemble dans la bonne direction en fait.